Celui qui est réprochable ne peut plus s'imposer. Amede ke ye betobena moka kan la bemenea ma baten dunde pepena meu. Alléluia. Amen. Vivre une vie irréprochable, c'est s'établir en autorité. Ceux qui disent à Dieu, ça ne peut pas aller comme cela, tu dois me bénir, sont ceux-là qui ont vécu de façon irréprochable. Lorsque vous acceptez que le blâme vienne sur votre vie, vous ne pouvez plus vous imposer. Pendant que tu pries, tu te rends compte que tu es fautif. Tout ce que vous imposerez serait le chaos. Ceux qui sont sincères avec Dieu n'ont pas de dossier pourri gardé devant Dieu. Même s'ils pêchent, ils ont les moyens avec Dieu pour faire disparaître les traces du péché. Une vie qui a de blâme n'a pas d'autorité. Le juste, c'est celui qui vit sans blâme. Et Dieu veille sur les intérêts du juste. Le blâme, c'est ça qui amène la grâce dans l'usage vain. Si vous ne travaillez pas devant Dieu pour être irréprochable, vous pouvez espérer le ciel si c'est possible. Mais quant à ce qui concerne les choses dont vous avez besoin pour vivre en paix sur la terre, vous les aurez pas. C'est ceux qui sont irréprochables, qui commandent à la création de se soumettre à eux. Amen. Yo fon bubu me la bemena ola. Wa we dena bena nu wa bena ne boboro kude yo te.